dirais que c'est un hommage, étant donné que présentement les Olympiques ont lieu. Ils ont tout simplement fait un hommage pour montrer leur appréciation sur, sur ma carrière. Puis c'est toujours le fun de voir que les gens pensent encore à moi après toutes ces années. Il y a beaucoup de souvenirs que j'ai, surtout ces jours-ci. Je vois les Olympiques défiler devant moi. Je vois tous les athlètes qui se donnent à plein gré pour essayer d'avoir des victoires. Puis moi, ça me ramène des souvenirs des jours que je faisais de la compétition, que j'étais vraiment au sommet de mes performances. Quand j'ai pris ma retraite sportive, je me suis toujours dit que j'ai eu une belle carrière. J'étais fier de tous mes accomplissements. Puis aujourd'hui, je prends du recul, puis je suis content de voir tous les athlètes qui performent devant moi. Puis je suis content de la vie que je mène aujourd'hui, puis tout va super bien. En Coupe du monde, j'ai eu 22 médailles d'or, qui est encore aujourd'hui le record à battre. Dont j'ai eu aussi les championnats canadiens, 5 fois champion canadien. Aussi, il y avait beaucoup de compétitions professionnelles aux États-Unis. Entre les courses au printemps, on allait faire des compétitions qui étaient filmées aux États-Unis. Puis ça, j'ai eu plusieurs victoires de ce côté-là également. Je dirais que j'en ai eu beaucoup de bons coups. J'en ai plusieurs, dont la première fois que j'ai fait un triple aria à Trois-Vrilles en compétition, puis j'ai gagné ma première Coupe du monde. Je crois que ça, la première victoire, c'est toujours un bon coup. La première fois que j'ai fait un triple aria à Quatre-Vrilles en compétition, ça aussi, j'ai eu une victoire là. J'étais fier, ça ne s'avait jamais fait. Donc, j'ai ouvert des portes pour les athlètes à venir. Quand j'ai gagné les championnats mondiaux pour la première fois, aussi les Olympiques. Je crois que les Olympiques étaient quelque chose de vraiment grandiose, de voir les 10 000 quelques personnes qui étaient là devant nous, toutes les personnes qui nous suivaient, nos fans à la télévision. Je pense que c'était ça les meilleurs moments que j'ai vécu dans ma carrière. Je suis vraiment content, c'est toujours apprécié. Puis, merci à tout le monde de m'avoir aujourd'hui encore de me parler 20 ans après les Olympiques, de me dire bravo Lloyd.